Savez-vous que regarder dans le téléphone de votre conjoint, que ce soit la femme, que ce soit l'homme, est un risque, est un danger pour votre couple? Je vais vous présenter cet extrait de vidéo et je vous reprends juste après pour donner plus de détails. Regardez. Ok. C'est que vous vous aimez en fait? Très très fort. Tu l'aimes? Vraiment, oui, bien sûr. Ah. Oui, c'est mon bébé à moi. D'accord. Toi, tu l'aimes? Elle t'a dit que je suis son bébé, il l'aime. Ah. Si tu aimes bien une fille, elle t'a dit que tu as fait un enfant, il l'aime. C'est d'accord. Mon bébé. Mais qu'est-ce qui fait la force de votre relation? La force de notre relation, je peux dire, c'est la confiance. Ah, tu as confiance en elle? Ouais, la confiance et puis la complicité. On est très complices. Ah. Il y a une de confiance à ses os. Il n'y a ah, pas de ouais. Tu as confiance en lui? Oui, bien sûr, comme il vient de le dire, c'est ça la complicité. Et on s'entend bien, tranquille quoi. Alors, ce soir, nous sommes sortis, c'est pour tester les couples. Tu vois? Voilà. Quand je vois des couples comme ça, qui ça fait 4 ans ils sont ensemble, je me dis que l'amour est fort. Parce qu'il y a de l'espoir quand même pour l'amour. Ouais, c'est bon. Tu vois? Donc, est-ce que tu peux faire un bisou à ta chérie? On n'a pas besoin d'un enfant ensemble. Ouais. Non, je veux savoir si votre couple est vraiment solide. Est-ce que votre couple est solide? Mets ton bisou sur le front qui t'aime là. Hé! Hey, les gens sont amoureux ici. Regarde ta chérie, dis-lui que tu l'aimes. Aïe! Même aujourd'hui, il a dit ça. Bébé, il a dit ça aujourd'hui. Non. Bébé. Y a moi, je t'aime. Tu es mon mousseau. Aïe, c'est ma femme. Tu l'aimes vraiment? Ah frère. Et toi, regarde ton chéri, dis-lui que tu l'aimes. Je t'adore bébé. Je l'aime trop fort. Ah c'est ma vie à mon seul. Ça se partage pas. D'accord. Si tu apprends que ton chéri te trompe, qu'est-ce que tu vas faire? Question. Si tu apprends que mon chéri me trompe. Si tu apprends qu'il te trompe. Qu'est-ce qu'il te trompe? Ah vraiment, avec celle qui me trompe, elle a chaud. Ah, Elle a chaud. Et toi, si tu apprends que ta chérie te trompe, qu'est-ce que tu vas faire? Moi, j'ai dit, il y a confiance en mon mousseau, donc c'est quelque chose, mais il ne pense même pas à ça. Ouais. Ah, non, elle ne peut pas me tromper. Elle me tromper pourquoi? Mais et si tu apprends que tu te trompes, qu'est-ce qui peut se passer? Elle connaît mon tempérament. Ça n'a même pas couru, même là, elle commence à la frapper. Ah, elle t'a déjà trompé? Non, elle ne m'a jamais trompé. Jamais? Jamais. En 4 ans, c'est jamais arrivé. C'est jamais arrivé, il y a des petites, tu sais, dans une relation, il y a des hauts et des bas, ouais. Dans toutes choses, hein. Ouais. Des petites querelles, des petites jalousies des femmes. Toi, tu connais femme, ouais. Des petites jalousies aussi des garçons, sinon, c'est pas grand chose, c'est pas quelque chose à prendre pour faire parler jusqu'à se séparer. Tu vois qu'on a fait 4 ans, non? Ouais. Jusqu'à un bébé sorti dedans, donc c'est chaud. D'accord. Est-ce que toi, il t'a déjà trompé? Non, en tout cas, non. Jamais. Non, jamais. En 4 ans, jamais t'as trompé? Jamais. Vous allez déverrouiller votre téléphone WhatsApp. Toi, tu déverrouilles ton téléphone, tu mets la main de madame, madame déverrouille son téléphone, elle te donne. Chacun va faire une minute avec le téléphone de son conjoint. Est-ce que vous êtes d'accord? Il faut les demander d'abord. Hein. Est-ce que tu es d'accord? Pourquoi pas? Tu es d'accord? Je suis d'accord. Est-ce que toi, tu es d'accord? Ouais. Je suis d'accord, il n'y a pas de pression. Il n'y a pas de pression. D'accord. Regarde la caméra, dis que tu es fidèle. Bébé, je suis très très fidèle. Redis encore, je suis fidèle à ma chérie. Je suis fidèle à ma chérie. Fidèle, très très fidèle. Il n'y a pas de pression. Aïe! Regarde la caméra, dis que je suis fidèle. Je suis fidèle, bébé. Tu es très fidèle. Très fidèle, oui, bien tu sûr. Tu es fidèle à Angelo. Bien sûr. Je suis fidèle. Il sait ça même, lui-même, il sait ça. D'accord. Il n'y a pas de gros. Alors, si les deux reconnaissent qu'ils sont fidèles, c'est que nous aussi, on est d'accord avec ça. Donc, je peux avoir le téléphone. Le téléphone d'Angelo. Il va déverrouiller. C'est déverrouillé, hein, les gars. C'est déverrouillé. Je vais remettre ça à la chérie. Voilà. Déverrouille pour toi. Voilà. Ok. Tranquille. On va commencer par qui? On commence par qui? Ali, le message de qui? On commence par elle là. On commence par elle d'abord? Ouais. On commence à Ali chez toi? Non, chez elle ici. On commence à Ali ici d'abord? Ouais. On commence par qui? On commence par lui. On commence par qui? Parce que les abonnés souvent disent que je commence par le garçon souvent. Non, on commence par elle, c'est moi qui commence, c'est moi la femme. Non, décidez-vous, on commence par c'est qui? C'est moi. Tiens. C'est toi l'homme, non? On commence d'abord elle là. On commence d'abord elle d'abord. Ok, il n'y a pas de problème. Déverrouille ton téléphone. Ok, c'est déverrouillé. Hein. Elle a déverrouillé son téléphone. Bon, tiens, on va rentrer dans WhatsApp. Tu appelles ton chéri comme à la maison? Mon cadeau du ciel. Mon cadeau du ciel. Oui. D'accord, ok. On va taper ici mon cadeau du ciel. On va voir s'il y a autre cadeau du ciel. Ah! Il n'y a même pas un message de mon cadeau du ciel. Tu as téléphone à ta amie, non? Il te parle? Mon nom dans le téléphone à ta amie, non? C'est cadeau du ciel. Bon, on tape bébé voir. C'est cadeau du ciel que tu as mis? Il a mal écrit cadeau du ciel, il n'y a pas mon nom. Peut-être qu'on a mal écrit. Attends, je vais taper cadeau du ciel alors.
cadeau du ciel. Ah oui, cadeau du ciel. Ouais, cadeau du ciel, ça y est là. D'accord. Ok. On va taper bébé maintenant, bébé. On tape bébé. Tu peux venir, tu vas nous expliquer un peu. Je vois, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a 6 messages de bébé. Je vois bébé Fali. Bébé Fali, c'est qui? Non, c'est un ami. C'est un ami. Oui, il est très longtemps. Oui, bon, on s'appelait comme ça auparavant, donc c'est resté comme ça. Ah ouais? Oui, oui. On peut rentrer dans le message? Oui, tu peux. Tu peux rentrer. Ok. Bébé. Tu lis quoi? Folie! Bébé Fali, j'ai envie de toi. Moi, il ne sait pas lire quoi. Viens voir. C'est pas une question de ta fille, viens t'avoir. Bébé Fali, j'ai envie de toi. Bébé Fali, j'ai envie de toi. Peut-être qu'il s'est trompé. C'est qui t'a répondu là? C'est ma maman qui a répondu. Que j'arrive là. C'est pas qu'on est que tu? Non, moi je ne reconnais pas. Tu ne le connais pas? C'est pas toi? J'ai dit. Il ne reconnaît pas. Tu ne le connais pas? Doucement. J'ai dit quoi? C'est un test de fidélité. Hein? Vous n'allez pas vous battre ici. Moi, je ne suis pas venu pour séparer votre couple. Voilà, je ne suis pas venu pour séparer votre couple. On continue de lire les messages de bébé Fali. On continue ou on arrête? Mon frère, faut monter, non, faut monter. Non, mais je dis je ne reconnais pas. Donc, faut mettre ta gueule. Faut mettre ta bouche. Donc, doucement. Faut monter. Tu peux lire, hein? Les messages sont là. D'accord, je comprends. Tu es sûr que c'est ton ami, hein? Oui, c'est un ami de. C'est ton ami? De depuis, vraiment. C'est ton ami à côté de quoi, toi, puis ton ami? Oui, c'est mon ami. Il m'a dit pourquoi? Il y a 6 bébés dedans, hein? On est juste au premier. C'est ton ami pourquoi? Bon, c'est ton ami comment? C'est ton ami, puis il y a envie, là. Tu vois, tu le cries, vous faites. Appel vite. Toi, t'as déjà fait appel vidéo à moi. Mais doucement, tu es violent comment même? Aïe! C'est une thèse de fidélité, on est au premier bébé. Il y a six bébés. On est juste au premier bébé. Calme-toi. Faut t'approcher. Calme-toi. Non, faut te calmer. Il faut te calmer. Non, mais assieds-toi lui là. C'est moi qui ai payé pour ta faute. Mais doucement. Non. On dit là, tout le monde. Doucement. Faut plus couper. Doucement. Tout le monde va voir. Doucement. Faut te calmer. Il faut te calmer. Viens là, chérie, viens. Mais, pardon, faut déposer l'eau là. Parce que là, tu es en train de. Voilà. Faut déposer l'eau là. Ta mère, faut voir. Attends. Faut pas regarder le micro. Doucement. Faut pas regarder le micro. T'es garçon. Doucement. T'es garçon. Mais là, tu vas te calmer. Parce que. Moi, je m'occupe d'elle. T'es garçon. Moi, je ne dors pas à côté d'elle. T'es garçon. Ici, encore calme. Même pas qu'on fait quelque chose. C'est l'eau, moi, qui est de ma mère. Est-ce Fali là. Au-delà, tu as fait conseil de Fali aujourd'hui là. Toi, tu ne connais pas. Toi, tu as compris. Ouais. Vous êtes un couple. Je suis venu où là? Je suis arrivé où là? Vous êtes un couple. Attends, le couple, il y a Francis avant que je vienne ou quoi? Attends. C'est-à-dire, vous les femmes, il faut que tu te calmes. Il y a six messages de bébé. Il y a 6 messages de bébé. Elle dit c'est son ami. Tu ne connais pas comment? Comment il a envie de toi? Il a mené de tout. Hein. C'est toi, tu comprends français. Viens là. On va lire le deuxième message. On va bébé K là. C'est qui est bébé K? Bébé K, c'est qui? C'est ton portable, c'est pas portable de ma maman. Peut-être qu'il y a un registre, ça sans me rendre compte. On peut continuer les messages? Toi, tu es violent, hein? Doucement, mon frère. Doucement, je suis là. Moi, je suis pas venu pour gâter. Les caméras là, ils vont mettre des mains sur les réseaux. Ils vont dire qu'il frappe femme, ça arrive. Sinon, toi, tu es à plat même. Tu la frappes d'habitude, en fait? C'est aujourd'hui qu'il commence à la frapper. Est-ce que moi, c'est pas violent? Tu l'as jamais frappé? Il l'a jamais bouti. Il t'a déjà frappé. Il t'a déjà porté main? Il t'a déjà bouti. Non. Il a jamais voté? Non. Aujourd'hui, il a frappé. Mais pourquoi? Mon ami. C'est moi, je suis venu gâter votre couple, en fait. Tu n'as pas gâté, tu as ouvert mes yeux. Non, mais doucement, je suis en train de. Aïe. Voilà, c'est un test. Tu m'as montré qu'il n'est rien dans ma tête. Mais tu as compris. Tu as compris. Là, Dieu n'est pas skinny. Tu as compris. On peut regarder. On peut continuer à lire le message? Mais toi, voici les preuves. Il n'y a pas autre preuve. Voici les preuves qui sont là. On peut là. Continuer à lire les messages. Il y a 6 bébés. On est juste sur le premier. On a fini. On est sur deuxième bébé K. Oui, bébé K. Il y a un message de bébé K. Ouais, tu peux lire. Quelqu'un t'envoie, je t'aime, tu m'aimes moi aussi. Bon, tu l'aimes comment? Moi aussi, calmer, là, c'est quoi? Il faut te calmer. Bébé K, c'est qui? Viens. Tu as dit bébé K, il y a un geste sans me rendre compte. Mais, il sait même pas. Mais quand même, il y a je t'aime ici. Hein. C'est là, c'est pour gâter forêt des gens. Sinon, vraiment, moi-même, il sait pas. Le je t'aime qui est là? Le je t'aime qui est là? Sans me rendre compte, je sais pas. Il t'a dit je t'aime, tu lui as dit moi aussi. Bah, c'est qui? Faut regarder, hein. Toi, tu vas s'en donner. Au-delà. Mais attends. Tu... Mais je suis venu où comme ça là? Je suis où là?
Je suis où là? Tu veux chez ta maman. Faut regarder mais... seulement. Toi, tu vas s'endoyer, non? Odila. Odila, tu vas comprendre. Ça arrive chez mon papa. Tania. Il y a même des vidéos. Toi, tu ne veux pas Tania. Tu vois ça? Faut t'approcher en causer. Toi, tu ne veux pas Tania. Viens là. Là, tu es un homme, toi. Voilà, on va s'arrêter juste là. On va s'arrêter juste là. Pour l'homme, c'est plus catastrophique même que pour la femme. Alors donc, vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure, mes amis. Vous-même, vous avez vu le film. Donc déjà, si un jour quelqu'un passe devant moi, je suis un manga dans la rue, quelqu'un passe devant moi et ce genre d'émission, c'est là, c'est le caillou que je vais récupérer avec. Donc, j'étais en train de vous dire, comme conseil, les amis, arrêtez de fouiller trop dans le téléphone de vos conjoints ou bien, en fait, que ce soit ta copine, que ce soit ta femme, que ce soit ton mari, que ce soit ton gars. Vraiment, c'est pas conseillé. Pour un rien du tout comme ça, la relation peut prendre fin. Vous voyez, pour un rien, pour un simple message, peut-être nous aimons un vieux message, même depuis longtemps, que peut-être quand tu étais encore avec des petites rageurs et tout, tu avais même oublié de supprimer tout ça. Et un matin, on tape comme ça, là, toi-même, tu ne te rappelles même plus de ces messages. Et c'est comme ça que tu perds ta relation. Pourtant, tu avais une très bonne femme ou bien un très bon époux. Voilà comment la relation prend fin. Donc, les amis, je ne vois pas l'importance d'aller fouiller dans le téléphone de X ou de Y. Je me rappelle une fois, j'avais acheté un téléphone, mon premier téléphone Android que j'ai acheté à ma femme. C'était 75 000, mon frère. Ça n'a pas fait 3 jours. Un jour, elle était à côté de moi comme ça. Il y a l'un de ses ex-là qui envoie un message, là, ping, ping. Mais, mon frère, bonjour chérie. Moi, je n'ai même pas cherché à savoir si elle a répondu ou pas. C'est arrivé devant moi. Donc, dans ma tête, c'était qu'ils ont l'habitude de causer. Alors, c'était leur première fois. Donc, Facebook, Messenger. Le gars envoie ça. Bonjour, chérie. Gars, à l'instant, j'ai arraché le téléphone, j'ai cassé. C'est après. Je n'ai même pas cherché à comprendre les explications. Il a fallu qu'on me calme d'abord pour m'expliquer que bon, voilà ce qui s'est passé. C'est comme ça, un gars depuis et tout, machin. Bon, vous voyez? Un téléphone que moi j'ai signé, souffert pour acheter, je casse pour un simple message. Donc les gars, sachez un peu, donc apprenez un peu à vous abstenir par rapport au téléphone et tout le reste là. Vraiment, c'est pas important. Pour moi, je ne contrôle, je ne regarde pas dans le téléphone de personne. Même, je ne permets même pas que quelqu'un regarde dans mon téléphone. Je ne regarde pas aussi dans le téléphone de l'autre. Donc on vit comme ça. Si tu peux croire en moi, crois. Si, donc moi, je te fais confiance. L'essentiel, c'est que mon œil ici ne voit pas. Même si on vient me raconter, non, pas me dire rien. Mais si mon œil voit, il n'y aura pas de pardon. Mais tant que l'œil n'a pas vu, il n'y a pas de problème. On se comprend un peu, donc les gars. Maîtrisez-vous. Vous voyez? Le couple, si je sais un peu si ça va fonctionner pour des bêtises, pour des messages. Pourtant, ils s'aimaient, ils ont un enfant, 4 ans. Vous voyez? Oh. Et vous aussi, arrêtez avec ce genre d'émission pour détruire les couples déjà. Entre-temps, c'était le général Franco. La vidéo t'a intéressé, n'est-ce pas? Abonne-toi et partage. S'abonnez-vous. Quand vous êtes abonné, bien. Très bien. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Paye ou non? Ok. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.